Kadilia Sangaré, ancienne ministre et présidente de la commission de la promotion de la femme, de l'enfant, de la protection de l'enfant, de la jeunesse, du sport, du travail et de l'emploi du Conseil national de transition, le roi Aïchata Sidibé et Sissé, pardon, président du réseau des femmes parlementaires du Mali, Madame le gouverneur de la région de Sigasso. Madame la chargée de mission représentant Madame le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Monsieur le coordinateur du chef de quartier de Sigasso, Madame la présidente de la commission nationale d'organisation du 6e forum national des jeunes femmes et filles libres du Mali, Monsieur le président du Conseil régional de Sigasso, Monsieur le coordinateur du projet SQUET, Madame la représentante de l'ONU Femmes, Monsieur le représentant de l'UNFPA, Monsieur le directeur pays de Kibetuiden, Monsieur le directeur général de l'ONACER, Monsieur le directeur général de l'AGETIC, Monsieur le directeur général de l'APES, Mesdames et Messieurs les chefs, les directeurs régionaux et chefs des services de Sigasso, Monsieur le coordinateur régional du Rénagène Sigasso, Mesdames et Messieurs les coordinateurs régionaux, communaux du Rénagène, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de jeunesse de Sigasso et du Mali, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs, sept participants au 6e forum du Rénagène. Je voudrais tout d'abord rendre grâce au bon Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qui a permis que nous puissions tous nous retrouver ici, ce jour 23 novembre 2023, dans la salle de conférence du gouvernorat de Sigasso. Permettez-moi aussi de vous demander de bien vouloir observer une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires de la crise malienne, à nos amis Farah. Merci. Que leur âme le commence à envers. Honorables invités, je voudrais saluer et reconnaître toutes les personnalités présentes ici ce soir. Et saluer surtout la très forte délégation de Madame le ministre en charge de la promotion de la femme, du ministre en charge des affaires religieuses, du culte et des coutumes, du Conseil national de transition du Mali, CNT, le 6e forum national des jeunes femmes et filles leaders du Mali qui nous réunit et qui s'ouvre ce soir à Sigasso. Est une assise pleine d'espoir et d'espérance, visant à rémobiliser l'énergie et l'intelligence de la jeunesse féminine du Mali autour du développement de notre pays et de la refondation du Mali. Notre organisation, Réseau national de la jeunesse du Mali, fidèle à son engagement pour un Mali prospère et pacifique, pour une jeunesse responsable et consciente, engagée et debout, solidaire et crédible, a décidé de célébrer et de faire célébrer la jeune femme et la fille, coût social fragile, mais ô combien important pour le devenir et l'avenir, à travers l'organisation annuelle du Forum national des jeunes femmes et filles. Cette année, Sigasso a la chance d'accueillir la 6e édition sur le thème leadership, communication, plaidoyer de gouvernance de la femme et fille du Mali dans le contexte de refondation. Ce forum permettra à travers les différentes activités et les panels prévus, notamment le panel ministériel et parlementaire, d'attirer l'attention des autorités, des décideurs sur le problème d'inégalité, de violence, de violation et même de privation des droits essentiels des femmes et des filles, et d'en apporter des réponses durables.
Les échanges sur le processus des femmes inspirantes dans un dialogue intergénérationnel seront l'occasion idoine pour la jeune génération des filles leaders dans l'empreinte du parcours éloquent et brillant de nos femmes célèbres. Donc, naturellement, Madame la ministre, je vous demande d'applaudir. Et de tracer ainsi les voies de l'émergence et du progrès. La problématique de la santé et de la reproduction des jeunes et des adolescents, la planification familiale, ainsi que le financement de l'entrepreneuriat féminin, constitue une préoccupation majeure à laquelle nous devons apporter tous ensemble une réponse pendant nos 3 jours de travail. Que dire du rôle éminemment important des femmes et des filles dans le processus de consolidation de la paix, du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Mesdames et messieurs, Madame le ministre de la Promotion de la Femme, Monsieur le ministre de l'Entrepreneuriat, Monsieur le ministre des Affaires religieuses, Monsieur le maire de Sikasso, Madame le gouverneur. C'est pourquoi, au terme de cette assise, nous serons amenés à actualiser et à valider le projet d'appui à la femme et à la jeune fille, PAGES, qui permettra de capitaliser les acquis précédents des éditions du Forum national des jeunes filles et à la femme et à la fille de se positionner non pas comme bénéficiaire passif, mais comme actrice des actions de développement. Le 6e Forum du Rénagène, qui est une sous-activité de la célébration du 11 octobre, est une contribution majeure de notre organisation et celle de la jeunesse tout entière aux efforts immenses du gouvernement du Mali à travers notamment le ministère en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille pour la réconciliation du Mali de nos rêves, le Mali 3 dont nous rêvons tous. Mesdames et messieurs, il me plaît ici de saluer le succès et les innovations apporté à la célébration de la Journée internationale de la fille, édition 2023, sous le leadership de Madame le ministre Dr. Kloubali Mariam Maïga, avec toute une semaine d'action de solidarité envers la fille. Mesdames et Messieurs les ministres, Madame le gouverneur, honorable membre du CNT, Sikasso, la capitale de Kédougou, la cité verte et historique du Mali, la ville de la résistance et de la résilience, de la conquête et de la reconquête, a été choisie par la jeunesse malienne pour accueillir cette importante assise. Ce soir, loin d'être fortif, est motivé par le fait heureux que la région de Sikasso a un visage humain et féminin. En effet, dirigé par une femme exceptionnelle, un exemple de leadership et d'intégrité, de dynamisme, de don de soi, Madame Kanté Marie-Claire Damélé est la femme qui nous a inspirés et qui a pesé dans le choix de Sikasso. Je vous demande de l'applaudir. Nous sommes là à Sikasso pour célébrer la femme malienne, la fille malienne, pour reconnaître vos efforts et sacrifices immenses pour notre survie collective. Nous avons eu effectivement raison de compter sur vous, Madame le gouverneur, car sans votre détermination à tous les niveaux, cette rencontre n'aurait pas pu avoir lieu à Sikasso. Encore une fois, merci beaucoup, Madame le gouverneur. Mesdames et Messieurs, honorables invités, comment finir ce discours sans saluer avec force la reprise historique, la reconquête glorieuse et le retour définitif de Kidal dans le Mali par vos bras professionnels et courageux force d'être armée et de sécurité du Mali sous la direction éclairée du ministre de la Défense et des anciens commandants, le colonel Sadio Camara. Je voudrais ici rendre hommage à nos martyrs et saluer le patriotisme des autorités de la transition, de toutes les autorités de la transition, des 5 colonels, au premier rang desquels le président de la transition, l'excellence, le colonel Assimi Goïta, et
c'est la grande résilience du peuple malien sans laquelle aucun résultat n'aurait été possible. Merci au peuple malien pour cette grande résilience. Je lance un appel pressant à la jeunesse de mon pays, à la jeunesse malienne, surtout à la jeunesse féminine du Mali, à se mobiliser davantage dans l'unité, la discipline et de façon altruiste pour que triomphe le Mali de nos rêves, pour plus de paix, de démocratie, de sécurité, de solidarité, de cohésion sociale, de stabilité politique et de développement justice, durable et de justice sociale. Honorables invités, c'est le sûr lieu de saluer tous les partenaires qui ont accompagné et soutenu financièrement et techniquement ce forum, notamment le projet SWEP, l'ONU FAM, l'UNFPA, la GETI, le CNT, la CMSS, l'ONACER, TIF et TULEC, la PES, l'INVES SICASO, la DRS SICASO, le gouvernement et le conseil régional. Vous demandez des applaudissements. Permettez-moi, en votre nom, d'adresser un remerciement spécial à Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, pour son soutien multiforme et sa participation effective à cette rencontre. Merci beaucoup, Madame Koulibaly, même si elle est Koulibaly, je voudrais que vous l'applaudissiez très fort. À Monsieur le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, pour son soutien aux Rhénaniens et sa présence effective au 6-5-Orange. Merci Monsieur le ministre pour votre présence. À Monsieur le ministre de la Jeunesse, des Sports, Santé, de l'Instruction civique et de la Construction citoyenne, pour son soutien au forum et sa présence annoncée pour demain, Inch'Allah, il sera avec nous. Le président du Conseil national de transition, l'honorable Malik Diaw, pour son soutien au 6-5-Orange, ainsi que tous les membres du CNT présents, à savoir l'honorable Aïdara, Aïchata, Sidé, Tom. Que je vous demande d'applaudir très fortement pour que vous mettez tout en vous reconnaître. Merci pour votre présence. Notre équipement très très dynamique. Et aussi l'honorable Maître Khadija Sangaré, ancien ministre, que vous levez, honorable. Vous reconnaître. Merci beaucoup pour votre participation, pour votre présence à nos côtés. Madame le gouverneur, il est une chance, non seulement pour la région des Sicato, mais pour le Mali. Mille merci, Madame le gouverneur. Monsieur le maire, merci aussi pour votre soutien. Merci à tous les membres de la commission d'organisation, sous le leadership de Madame Maïmouna Konaté et toute son équipe. Maïmouna, c'est elle qui a organisé toute cette rencontre de façon la plus discrète. Merci à Maïmouna et à toute son équipe, et aussi remercier la dynamique coordination régionale du Rhénanien Sicasso, tout le leadership de Galago, Kawara, et je vous demande d'applaudir avec tous les membres de la commission d'organisation. Mesdames et messieurs, je voudrais reconnaître et saluer certains structures partenaires qui ont fait le déplacement de Bamako avec nous. Il s'agit du mouvement Mali Espoir, qui est représenté par Madame So, qui est dans cette salle, qui a fait le déplacement de Bamako pour venir soutenir le Rhénanien avec tous ses membres ici à Sicasso, le réseau des femmes des services sociaux. Aussi, qui sont là avec nous, merci pour toute votre contribution. Permettez-moi aussi de remercier mon grand frère Mamadou Guédié, qui est dans la salle aussi, qui nous a beaucoup soutenu tout au long de ce processus-là. Merci pour votre soutien. Merci à tous les participants du 6e Forum national des jeunes femmes et filles du DER pour votre déplacement, qui sont venus de toutes les régions du district de Bamako et de Sicasso. Dieu vous bénisse.